Salut à tous, c'est Lucien, on se retrouve aujourd'hui sur The Escapiste pour la saison 1. Si j'essaie de faire une série entière, parce que je vous savais très bien que j'ai jamais fini de série de ma vie. Alors on va choisir un perso. On va prendre lui. On va s'appeler Rusty. Alors on va faire les bros. Donc lui, on va l'appeler Fox. Et non, bah non, on va le changer. Donc non. Ça va être Fox ça. Fox. Ok, on va faire Manu. Et oui. Hop. Puis on va faire qui ici? Attends, lui on va l'appeler Mamadou. Hop. Puis on va l'appeler. Ah non, lui. Écoutez, hein, vous connaissez pas, hein, on va l'appeler Sylvain. Voilà. Non, attends. Lui, on va l'appeler Jésus. Je sais pas pourquoi je fais ça, je suis désolé. Et puis, ça me paraît très bien. On va l'appeler Grishka. Parce que vous connaissez les bros. Ok. Et démarrer. Donc. Ok. Alors, bienvenue sur Dapex, la prison la plus confortable et moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. Si les chaînes du club ne suffit pas à vous divertir, vous aurez un accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Très bien. Je vais juste faire un truc. Voilà. Ok, donc là, faut qu'on s'arrache. On va à la belle. Alors, il y a Fox. On va lui mettre un beau pouce bleu. On va devenir ami de qui? Attends, ils sont où les bros? Il y a Manu et il y a Grishka. Eh hey, mec, ça va? Je suis une Grishka, attends, Jésus et Manu. Nous sommes à votre service. Oh, si votre nom est tiré à la fouille d'appel, assurez-vous que votre bureau est vide et contrebande. Ah, d'accord, d'accord. Attends, il y a Frux qui propose quelque chose. Et tout est payant. On va donner plein de pouces bleus. Et les autres, on s'en fout de Jésus et tout. Jésus, on s'en fout. Sylvain Durif. N'ayez pas peur. Vous avez besoin de notre priorité. Est un besoin absolu. Ok. Donc, nous, on est le premier. On va manger. Hop. Donc, là, faut qu'on aille chercher nos repas. Hop, mon plateau. On va voir où ils se mettent, les bros. Alors, vous vous mettez où? Ok. Et non. Ah ah. Oh non, Thomas, désolé. Excuse-moi, Manu. Va manger ailleurs, Sylvain, là. Attendez. Putain. Ah, assis-toi. Donc là, la place est prise, gamin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un couteau et tout. Mais il va falloir qu'on trouve un travail. Attendez. On s'en occupera plus tard déjà. On va specs un peu. Tu sens que j'ai échappé ou quoi? Ouais, ouais. Attendez, il va falloir qu'on ait choisi un bureau. Un métier. Et c'est où déjà? Putain, vite, sinon ils vont être pris. Mais je crois qu'ils sont déjà pris dès le début du jeu. Donc c'est ici. Alors. Ah bah, je suis déjà affecté à la laverie. Donc il faut que j'aille à la laverie. Non, c'est pas maintenant que je travaille. Donc la laverie, j'irai travailler ici. Et voilà, ça va être un petit peu chiant. Ok, des caméras ici. On va pex. Internet et lire augmente votre intelligence, je sais. On va faire un peu de sport. Non, on va étudier. Bordel. Et puis après, on ira. Attendez, on va voir ce qu'il y a dans les bureaux des gens plutôt. Oh, Fox. Qui c'est qui a gagné? C'est Jésus. D'où Jésus? Qu'est-ce que je fais, Fox? Non, je suis gentil avec toi, Fox. Putain, Jésus! Jésus! T'es un bâtard! T'es un bâtard, Jésus! Tu sais que t'es un bâtard, Jésus! Non, Jésus. Je vais te. Ok. Maintenant, on s'arrache. Ah non! Lorsque vous êtes assommé. Ah, oh, c'est tout! Haha, Jésus! On a pris ta revanche, Rex. Elle se ressemble par des. Bah attends, on s'en bat les couilles.
Jésus, oh Frux, oh ça va mieux. Maintenant des flexions. L'isolement c'est l'enfer. Oh viens là, viens là Frux, t'es un bro. Aïe Jésus! Attendez. Jésus il va faire quoi? Jésus il va faire quoi? Jésus il va faire quoi? Attends. Mon défi aime. Ouh! Eh, attends, toi, t'as beau bien me payer, je t'emmerde. Hein, écoute, très cordialement, t'as fait chier. Attends, on va mettre tes habits dans les toilettes après. Oh non, putain, ils sont déjà tous à table. Oh putain, voilà, je me suis fait engueuler. T'as Manu qui est là, et Grish qui est Frux. Oh merde! Oh le con, oh le con, oh le con. Oh désolé! Office, what the hell? Attendez, attendez. Oh! Qui passe ça? Grishka, il est passé où? Bon, on va aller bosser. Oh le con, j'ai frappé Grishka. Bah écoute, c'est là que je bosse moi. Oui. Mettez les tenues. Donc non, non. Attendez, on va poser tout ça. Et voilà. Donc on prend tout. Hop. Voilà, c'est vraiment boulot chiant, ça je vous le dis. Et là on peut se cacher. Si jamais il y a un blême. Hop. 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 Attends, est-ce que ça compte là? Si je fais ça. Ah, ça compte ça! On a pris les habits de Jésus. Écoutez, Jésus, écoute, tu vas me respecter un minimum maintenant que j'ai lavé tes habits. Que tu n'auras plus d'ailleurs. Tac tac, hop. Ah putain, c'est vraiment de la merde ce boulot. Mais bon, il nous faut un métier. Pas vraiment en fait. Et oui. Oh merde. C'est vraiment pas passionnant hein, de faire son petit métier. Il faudrait qu'on essaie de s'échapper. Mais bon, on a le temps pour le moment. Quota de travail. Eh bien, écoutez, on a tout fait. Donc, on ramasse. On pose tout ça par terre. Ouais, et on va. On s'arrache. Donc, nous, on a rempli notre quota de travail. Donc, chaque fois, chaque jour, on doit aller remplir notre quota de travail. Et ça, je pense que c'est ma chambre, ton lit, ton bureau. Qu'est-ce qu'on a dans le bureau? Ok, on a un peigne, on a un rouleau de PQ. Attendez. On va aller voler. C'est qui ça? Frux. Mamadou. Attends, on va aller voler chez Jésus. What? Jésus, qu'est-ce que tu fous? Le mec, il se prie pour qui? Oh, Jésus, il est trop fort en vrai. Et Jésus. D'où Jésus? Il est trop fort. Père de sport, eh bien écoute, d'où Jésus. On va faire un petit peu de sport. Nous, on va vouloir taper du Jésus. Alors, c'est quoi les touches? C'est ça? Ouais. On va aller taper du Jésus, nous. Ok, cool, Jésus. Jésus, il court, lui. Et bah, nous, on va faire de la muscu. Maintenant, c'est quadriceps. Et bah, c'est pas en faisant de la course à pied que tu vas te faire des quadriceps. Hein. Dépêche-toi avec les haltères. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Frux, il fait des haltères. C'est tout, moi. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Ah, attends, à gauche, droite, gauche, droite. Allez, nous on n'est pas mort, nous on en fait des centaines si tu veux. Non, non. Allez, Jésus, dis-moi que c'est Jésus. Ah, Jésus, les camions. Attends. Oh, tourbillon. Alors, c'est qui, Matt? Trouve-moi l'objet drap. Oh, aucun problème. Manu, trouve-moi l'objet télécommande, téléviseur. Ok. Grishka, pouce bleu Grishka. Pouce bleu Manu. Pouce bleu Frux. Est-ce que j'ai été payé en vrai? Ouais, j'ai de la thune. Oh, c'est interdit ça, Frux. Ah! Ouais, du talc. À quoi ça sert le talc? On va prendre la matraque pour se battre. Sans emploi. bah, je pense qu'on prendra le pied de biche, mais. Non, ouais, on va prendre le pied de biche après. On va te mettre un pouce bleu. Sylvain Duris. Ok, écoutez. Ah, on va. Oh! C'est qui ça?
Morales. Ok. Attends, il y en a un qui voulait un drap. Et moi, je vais faire un truc en attendant. Donc, c'est qu'on fait ça et ça. Hein, ça fait rien, ça? Je crois que c'est quand on met autre chose avec. Bref. Du coup, attendez. Parce qu'on en a pas besoin. Hop, et la colle non plus pour le moment. Hop, on met dans la chasse d'eau. Et des fois, ça peut se boucher. Donc, quête. Alors, trouver l'objet drap pour Matt. Ok. Matt, on arrive. Matt, c'est qui, Matt? Déjà, je crois que c'est le roux. Qu'est-ce que c'est? C'est le dîner. Bon, oh. Il y avait un couteau. Les médocs. Attends. Regardez ton couteau. Attends. Attends. Son savon, son fou. Ah non, le savon, regardez. Sa tenue. Oh, tu as inondé les toilettes, Fräulein. Ok. Donc, Matt. Hop. Matt, j'ai fini. J'ai un drap. Matt! Eh, je suis chiant en fait. Attends. Tac. Tenez, 24 dollars. Eh, on peut vendre des trucs. Mais en fait, on s'en fout de manger là. Oh! Perle libre du soir. Et là, il faut qu'on trouve une télécommande pour Manu. Manu, on va te trouver une télécommande. Allez, on fouille dans le bureau de Jésus. Qui n'a rien. Mais attendez, il y a un truc qu'on peut faire, un craft. Il faut casser le peigne. Et actuellement, ça marche pas. Je sais plus comment on le casse. Frux, est-ce que tu auras une télécommande pour Manu? Absolument pas. Oh, le bois, c'est dangereux. C'est interdit. Je sais plus pourquoi. Ici, c'est Mamadou. Je crois que Mamadou n'a pas de télécommande. Magazine. Je crois qu'il y en a qui demandent des magazines des fois. Ah merde. Quelle merde. Voilà. Bureau de maths. Oh. Le ventouse. Qui c'est ici? Jésus, c'est vrai. D'où Jésus? Ici, on avait déjà touché. Ok, donc on est plus recherché. Ah, 3%, mais on est plus recherché. Hop, trombone. Ah. Non. rouleau de PQ. Mais non, on s'en fout en fait. Mais des fois, il y en a qui demandent du PQ de luxe et tout. Donc, Sylvain Durif. Tonneau Pénarium. Ok, attends, ça. Je n'ai jamais vu, du coup, on va le prendre. C'est quoi ça? Je sais pas. Manu. J'allais te frapper, honnêtement, s'il avait. Il va m'engueuler, lui. Ah, voilà, ne t'approche pas de cette cellule. Ok, ok. Ce n'est pas de ta cellule. Alors lui, il s'est retroussé les manches. Écoute. Oh Frux, putain, il est par terre encore. Oh Frux, ah. Oh. Ah, alors, je traque ce sale rat depuis des jours. Je connais pas les habitudes. Dristerai les gardes au prochain moment de la période de sport. Et je pourrais fouiller sa planque. Ok. Ah, il va falloir que je frappe quelqu'un. Et nous, on peut pas savoir qui c'est. Il fait chaud ou c'est moi ici? C'est qui? C'est Manu. Écoute, Manu, ta mission est plus la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'exercer un petit peu, les amis. Grisha semble être là pour un truc de dingue. Oh, ah, arrêtez. Oh putain, ils ont ouvert. Attendez, ça me donne une idée. Attends, on va jusqu'à 5. Voilà, ça me donne une idée. Ah gros, grandeur, what the fuck. Oh, appel de fin de journée. Allez, go, rush. Hop. Ok. Hop, on a une arme. Mais... il y a un truc où on peut casser le peigne, je sais plus c'est comment. J'ai oublié comment on casse le peigne. Ventouse 100%, ça sert à quelque chose. Yo Frux. Tout bien. Je cherche objet papier de toilette de luxe. Et ben voilà. On va aller chercher. Ah non, mais j'ai mis un pouce bleu à Jésus. Manu. Il a une arme, voilà. Je sais te lester. En fait, on prend un... pour faire ça, bah bref.
Grishka. Putain, lui-même vient Tobias. Ah oui, voilà, c'est ça que je veux faire. Peine tranchant. Bonjour. On va aller chercher du PQ luxe. Hop, vite maintenant. T'es mort toi, Sylvain Durif? Je suis mort moi. Allez, regarde, on va chercher un garde. À l'aide! Sylvain Durif veut ma mort! Oh, oh, oh. Mais merde, c'est pas ma faute, il y a un malade qui me poursuit. Ah, il faut qu'il le trouve. Oh merde, ils vont voir que je suis pas dans ma cellule. Cours, je suis coincé, C'est quoi ce bordel? Mon inventaire est plein. Je suis glitch. Non. Ah non. Ah non. Ah c'est une blague. Ah le bâtard. Attends, j'ai une idée, on va le taper. Ça marche pas. Ah non. Ah c'est trop fort. Ah non. Ah qu'est-ce que j'ai fait. Ah non. Attends, on va lui donner du savon. Et attends, on va lui vendre son oreiller à 10 dollars, à 11 dollars. Il me l'a acheté. Oui, ça marche comme ça le truc. Genre allez. D'accord, je crois que j'ai perdu de la thune là. Attends, on va lui donner. Ah non, ça doit être rare ça. Voilà. T'es vide, alors je m'appelle le gros bras qui te fait sortir de ta cachette. Pour te pire, j'aurai un isolement pendant quelques jours. Ne t'approche pas de cette cellule aussi. Eh bah oui. Mais écoutez, je l'ai pas fait exprès. Ah, les bûches Rusty, mais ta maman. Mais écoutez, si sur ce. Sur cet appel matinal raté qu'on se quitte, on se retrouve pour le prochain jour. Merci à vous et à la prochaine. Salut.